Bonjour, je viens vous voir. J'ai commandé un colis livré en 24 heures à domicile. Alors, pièce d'identité et numéro de suivi du colis. J'ai pas fini. Ça fait 3 quarts d'heure que je fais la queue, j'ai l'impression que je suis à Disneyland. Laissez-moi au moins vous raconter en fait. Mon colis, il était censé être livré hier, d'accord? Fourchette entre 8h et 16h. À ce niveau-là, c'est même plus une fourchette, c'est le trident du père d'Ariel. Bref, je pose ma journée. Arrêt maladie, t'as compris, je bouge pas de chez moi. C'est tout, je reste chez moi, je fais ma journée 8h, 9h, 13h, 14h, 16h. Personne, tu vois. Et là, c'est pas ce matin, j'ouvre ma boîte aux lettres, tu vois, à savoir est-ce qu'il y a eu du courrier, tu vois. Là, je vois quoi, un avis de passage? C'est écrit que le livreur, il est passé hier et que j'étais pas chez moi. À savoir que j'étais chez moi. C'est quel genre de foutage de gueule, ça, en fait? Alors, pièce d'identité et numéro de suivi du colis. Et je vais récupérer le petit coupon aussi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors, c'est un avis de passage. Ah bon? Il y a peut-être un moment dans la journée où vous n'étiez pas chez vous. Mais j'étais chez moi. J'ai jamais été autant chez moi que chez moi, en plein milieu de chez moi, savoir que j'étais chez moi. J'imagine que vous habitez en appartement. Pourquoi j'habiterai en appartement? C'est quelle idée reçue, ça, encore? J'habite en appartement, c'est pas le problème. Je pourrais très bien habiter dans une maison ou dans un domicile, j'en sais rien. Quand il y a trop d'étages, il faut savoir que le livreur n'est pas obligé de monter, hein. C'est à vous de descendre. Bah oui, mais pour ça, faut qu'il m'appelle. J'ai aucune trace sur mon téléphone. En plus, j'ai un ascenseur, de quoi vous parlez? Et c'est pas facile pour eux de se carrer dans la rue avec la circulation, vous s'imaginez bien. Qui m'appelle? Et qu'il arrête de mentir à dire que j'étais pas chez moi alors que j'étais chez moi. Attendez. Je paye 15 balles, d'accord, pour que ce soit livré à domicile en 24 heures. Au final, j'ai un lendemain, je me déplace et je fais la queue. C'est comment, en fait? Votre pièce d'identité. Ouais. Alors. Ah, franchement, la poste. Le numéro de colis. Ah, c'est pire que la SNCF. Alors, c'est pas ici le colis, hein. Il faut lire le papier, hein. Vous n'êtes pas du tout venu à la bonne poste, hein. Ça, on risque pas de l'avoir, hein, le colis, hein. Mais vous êtes la plus proche de chez moi, de poste. Alors ça n'a aucun rapport. Ça, c'est pas en fonction de votre domicile, hein. Ça serait trop beau, hein. Hein, là, faut vous alliez à celle du 8e. Du 8e? Mais pas aujourd'hui, elle est fermée, hein. Pourquoi elle est fermée? Ah ben ça, c'est comme ça, le jeudi, elle est fermée, et puis c'est tout, hein. Faut se renseigner avant, hein. Ça... Je crois que je vais être vraiment malade, là. Allez, au suivant. Bonjour. J'ai envoyé un colis à Noël pour mon neveu, puis il l'a toujours pas reçu, quoi. C'était quel Noël? Celui-là, de 2023. Non, mais je me le dites pas comme ça. Ça aurait pu être celui de 2022, hein. Me fais engueuler, moi, ce coup-là. Tout de suite, 2023, c'est logique, excusez-moi, hein. Alors, le numéro de suivi du colis. Alors. Je le veux bien. D680-250. Non. Au baisse d'un taux, vous n'êtes pas obligé de m'engueuler, hein. Vous me dites pas par nombre, hein. Vous me dites par chiffre, sinon on s'en sort pas. Eh ben. Oui, Manu, j'arrive, hein. J'arrive, tu m'attends, hein. D, comme Daniel, mon mari. Le premier chiffre. 680. Alors, 6, 8 et 0. Ah, vous voulez voler en petite coupure, vous. 680, ça peut aussi être 6. 104 et 20. La suite. 2, 5, 7. 9, 8, 5, 30. 3, 0. Alors, il est en cours de livraison. Oui, je sais bien, c'est écrit ça aussi sur votre site. Ah oui, mais ça, moi, je vais pas pouvoir vous en dire plus que le site, hein. C'est quand même dingue, je l'ai envoyé le 15 décembre pour être dans les clous, le petit, il a toujours pas reçu le cadeau. En ce moment, il y a une restructuration des services du courrier, du coup, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et puis, envoyer son cadeau à Noël, entre nous, c'est pas la meilleure période non plus, hein. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais y a pas un dédommagement prévu. Alors, le dédommagement, dommagement, c'est quand le colis est perdu. Parce que l'erreur, elle est pas de moi, hein. Le petit, il a pas reçu son cadeau sous le sapin. Hein, là, il est pas perdu, il est en cours d'acheminement, quoi. Moi, je l'ai envoyé le 15 décembre, hein. En plus, vous n'avez pas pris d'assurance. C'est un costume de Spider-Man, je vais pas prendre une assurance, hein. Donc là, c'est tout cuit, hein. Du coup, je fais quoi, moi? Vous attendez, hein. Ça, moi, j'y peux rien, hein. Vous avez vu comment ça grandit, hein, gamin? Vous serez pas la première, vous serez pas la dernière, hein. Il va recevoir le colis qui sera plus rentré. Vous mettez ça sur la faute du Père Noël. Sur la gueule, en plus. Problème de reine. Il a 12 ans. Et puis, si jamais il n'y a toujours pas de colis au Noël 2024, vous venez nous voir. L'année prochaine, hein. Il croira plus au Père Noël, hein. On fera un point, voir ce qu'on fait, s'il y a dédommagement ou pas. Hein. Attends. Micheline, tu me remplaces, hein. Je vais prendre ma pause avec Manu. Oh.
On va rester là. Je viens vous voir, je viens de recevoir ce colis complètement endommagé. La bougie dedans à l'intérieur est complètement amochée. Bon, je pense que si ça avait été un téléphone, ben, ça aurait disparu. Mais là, vu que c'était une bougie, ils l'ont mis à l'intérieur. Mais voilà, je voulais voir ce qui était possible de faire. Mais ça, fallait pas l'accepter, hein. Nous, à partir du moment où vous acceptez le colis, nous, on ne peut rien faire. C'est plus notre ressort, c'est de votre responsabilité, hein. Je l'ai réceptionné parce que je me suis dit, c'est pas parce que le carton est endommagé que la bougie ne l'est pas. Il fallait demander au facteur un constat de détérioration pour constater le préjudice. Après, ça, je savais pas. Comment vous voulez qu'on sache maintenant? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous qui avez amoché le colis? Vous doutez bien que je vais pas m'amuser à déchirer les colis puis venir vous voir. Enfin, je... Mais ça... Je m'ennuie parfois, mais pas au point de venir à la poste comme ça. Maintenant, il faudra voir avec l'expéditeur. Hein. Nous, c'est plus de notre ressort, là. Alors, le colis vient de ma belle-sœur. Ah oui, mais ça, moi, votre belle-sœur, je la connais pas. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle l'avait vraiment envoyé complètement intact. Hein. Je lui ai montré la photo, elle m'a dit non, c'est pas elle qui l'a fait. Hein. Bon. C'est ma belle-sœur. Alors, vous renvoyez le colis à votre belle-sœur. Ah, je dois moi renvoyer ce colis. Ah bah oui, mais ça, si vous ne l'aviez pas accepté au facteur, il aurait été renvoyé directement. Je ne peux pas plutôt vous le laisser là. Là, vous allez devoir repayer bêtement, hein, ça. Fallait pas accepter le colis, hein. Une fois la réception du colis, elle va devoir contacter le service client Colissimo au 3631. Elle l'a fait. Elle a appelé le 3631. Mais déjà pour avoir quelqu'un, et puis ensuite ils lui ont parlé comme des chiens. Du coup, je me suis dit que ça serait plus simple de vous voir. Elle contacte le service client Colissimo au 3631. Pour constater le dommage. Ensuite, on lui enverra un formulaire à remplir, à renvoyer, en recommandé avec accusé de réception, surtout accompagné des photos de la marchandise sinistrée. Les oubliez pas, hein. Mais ça va coûter plus cher que la bougie, ce coup-là. Ça fallait pas accepter le colis, hein. Moi, je l'aurais pas accepté, hein. À faire dans un délai de 14 jours, hein, sinon c'est cuit. Hein. Là, faut qu'elle se dépêche parce que vous avez déjà empiété pas mal. Hein. D'accord. Si elle a une réponse négative, qui est pas impossible, hein, vu que vous avez réceptionné le colis, moi, à votre place, je miserais pas trop dessus. Hein. Il faudra recommencer la procédure avec un médiateur. Et là, vous aurez la réponse sous 2 mois. Hein? Lui a droit de répondre sous 2 mois. Ah oui, mais ça, c'est comme ça. Hein? Ah, nous, on doit répondre sous 14 jours. Lui, il a le droit à 2 mois. Bon. Un colis, c'est comme une balle. Quand on l'a dans la main, c'est à nous. C'est nous le responsable. Hein? Je pense que je vais garder ma bougie comme ça. Ah ben ça, vous faites ce que vous voulez. Hein? Oui. À partir du moment où vous l'avez pris au facteur. C'est ça, c'est de ma faute. Je suis une grosse menteuse. Ça, moi, je vous ai dit. J'ai tiré le carton, j'ai piétiné ma bougie par plaisir. Nous, on a fait notre travail, on a livré le colis, hein, si vous voulez. Ah, on devrait pas envoyer des colis, hein. Franchement, on est vraiment des... Au suivant. On est vraiment des connasses, hein.